Jean-Marie Le Pen, comment il a fait la paix avec sa fille Marine et après une brouille de plusieurs années, Jean-Marie Le Pen et sa fille sont aujourd'hui réconciliés. C'est l'homme politique de 90 ans qui a décidé de pardonner et de faire la paix avec Marine Le Pen, qu'il avait exclu du FN. Début juin, Jean-Marie Le Pen était hospitalisé pour un état de fatigue générale. Un incident de santé qui a changé beaucoup de choses pour l'homme politique de 90 ans. Poussé à la retraite par sa fille Marine Le Pen, qui lui a repris les rênes du Front National en janvier 2011 avant de l'exclure du parti, l'ancien président du FN a longtemps tenu des propos très durs envers elle, n'hésitant pas à la désinguer à la moindre occasion. Mais cette guerre qui a duré plusieurs années s'est achevée avec son hospitalisation. La famille Le Pen s'est retrouvée autour du patriarche malade. Bien qu'elle soit fâchée avec lui, Marine Le Pen s'est rendue au chevet de son père à l'hôpital. Alors, Jean-Marie Le Pen a décidé de pardonner, mettant fin à leur violente brouille. Interviewé par Le Parisien, l'homme politique est revenu sur cette étonnante réconciliation au sein du clan Le Pen. Ce n'est pas un clan, mais une famille qui connaît des avatars divers, des fissures et des fractures. Alors, comme chef de famille, j'ai pris l'initiative du grand pardon. Sûrement parce que j'ai atteint un âge où je me pose la fameuse question de Brassens, est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Bien loin des méchantes critiques auxquelles il nous avait habitués, Jean-Marie Le Pen ne tarit plus d'éloges sur Marine Le Pen depuis qu'il a fait la paix avec elle. Mais le chef de clan et sa fille n'auraient-ils finalement pas pu se retrouver avant? Je ne sais pas. À partir du moment où je pratique l'oubli des offenses, je ne regarde pas en arrière. Mais je pense que la brouille que j'ai eue avec Marine l'a empêchée d'arriver en tête de l'élection présidentielle. Alors, s'il y a une chance de réparer cette erreur de parcours, c'est maintenant, car le temps presse pour la France. Crédit photo, Jean-René Santini, Bestimage. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Jean-Marie Le Pen.